Je suis chez moi, se dit le poisson dans son bocal. Je suis chez moi, rien ne peut m'arriver. Olé, à court, descend de sa bonnetière un chapeau de gendarme. Il monte sur la table et il se met sur le rebord de la fenêtre et plonge son regard dans le plafond de verre. Que dis-tu, Bulle? Je suis chez moi, il ne peut rien m'arriver. Olé. Même le nettoyeur a aujourd'hui son domaine réservé et ne peut rentrer dans ma partie de bocal qu'en tapotant à la cloison de verre. Mais pourquoi cette inquiétude, Bulle? Demande Olé. Que t'arrive-t-il? Tu sais, Olé, je suis parti 2 jours. Je suis parti vers un drôle de monde. Je t'ai dit que j'étais parti vers le conte, vers une île, vers un endroit où les animaux parlent, dansent, parlent aux humains, traversent les océans, où un dragon gentil existe encore et parle à un phasme, un monde de rêves, d'imaginaire où les animaux et les humains sont blessés du mal qu'on leur a fait, du mal qu'on leur a fait de ne pas accepter leurs différences, ou de ne pas accepter leur génie, ou de ne pas accepter leur beauté, ou de ne pas accepter leur gentillesse, ou de ne pas accepter simplement qu'ils soient. Je suis parti 2 jours vers ce monde, je ne sais comment. Je ne sais pas non plus comment j'en suis revenu. Mais je sais que je ne suis plus le même. Olé. Alors, parfois, je fais le tour de mon bocal de verre et je me sens seul. Je sais que tu es là pourtant, Olé. Je suis là, Bulle. Je serai toujours là pour toi. Je te l'ai dit déjà souvent. Il ne faut rien redouter de ton bocal et de ton plafond de verre. Crois-tu que nous pourrions partir ensemble, toi et moi, vers ce pays de contes merveilleux? Oui, Olé, tu me disais, il y a des jours et des jours que tu voulais que nous partions ensemble. Que tu voulais que nous partions ensemble et je te disais, comment pouvons-nous partir sans elle? Sans lui, sans le Shiba. Et je suis parti, Olé. Je suis parti et je suis revenu. Et peut-être pouvons-nous partir ensemble. C'est un dragon gentil avec de grandes ailes. Je ne sais pas s'il est capable encore aujourd'hui de cracher du feu. Je ne sais pas. L'essentiel, ce sont ses ailes. Mais il faut que nous partions, Olé. Sais-tu s'il est revenu voir elle? Sais-tu si elle a toujours arrêté d'écrire, si elle a repris l'écriture, si elle cuisine? Que fait-elle? Oh, Bulle, si tu savais, je ne la reconnais plus en ce moment. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Peut-être il faudrait qu'elle parte aussi, mais comment faire? Comment faire? Il faut, répondit Bulle, il faut quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, il faut
Il faut être avec fantaisie.